Donc on se situe en 78, 79. Donc je suis étudiant à la maîtrise au département d'anthropologie. J'ai choisi mon sujet de thèse et je le vis au jour le jour là, dans une perspective d'observation participante, mais qui est un petit peu plus que de l'observation participante, parce que je me sens partie prenante aussi de ces questions-là, sans en être complètement conscient, parce que c'est aussi des choses qui viennent après, avec l'analyse, et puis la réflexion, puis la perspective, avec le temps. Je le resitue un petit peu dans les débats qu'il pouvait y avoir à l'époque au niveau des étudiants et puis même des profs au département sur justement la remise en question de l'objectivité, la possibilité d'avoir une anthropologie plus engagée, plus militante, qui contribue aux luttes des minorités ou des altérités, que c'est certain beaucoup par rapport à la question autochtone au département, mais quand même à l'époque, parmi les étudiants, les questions de gays et lesbiennes, d'orientation sexuelle, commencent. Bon, le mouvement féministe, il y a quand même tout un courant quand même féministe aussi au département. Donc c'est des questions qui vont être soulevées puis qui font débat. Et au niveau des étudiants, je me rappelle en 77-78, on a organisé ce qui s'était appelé les journées anthropologiques. Donc c'était une initiative étudiante. Moi je faisais partie du comité organisateur. Et c'était des thèmes là qui avaient qui étaient au cœur de ces réflexions là. Pour l'anecdote, on avait fait venir Henri Laborite, donc avec toute la question de l'éloge de la fuite et puis ces éléments là. Puis on avait sollicité pas mal de monde qui avait écrit des textes et tout ça, donc pour essayer de situer là, je veux dire, l'action de l'anthropologie à cette époque-là. Donc on était quand même un groupe d'étudiants assez, assez dynamique à cette époque-là. C'était une question largement débattue. À l'époque, peut-être, ma directrice de maîtrise, c'était Chantal Collard. Moi, j'essaye de me situer par rapport à mes profs, par rapport à, je dois vous dire que pour la question du handicap, je pense que j'ai fait mon chemin beaucoup par moi-même. Donc, ces personnes-là m'ont donné des éléments de méthode, de référence, de perspectives théoriques, mais ne sont pas des spécialistes. Enfin, je veux dire, ils ne connaissaient pas la question du handicap. Je pense qu'au Québec, en tout cas, je suis le premier à avoir avancé un petit peu dans cette thématique du handicap. Personne ne connaissait véritablement ça. Puis encore actuellement, je veux dire, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va parler du handicap. Donc,
Chantal Collard, elle m'a encadré et puis tout ça, sans véritablement connaître ce sujet-là, mais en étant bien entendu en mesure de le replacer. Puis mon autre co-directeur, c'est Yvan Simonis. Rien à voir avec le handicap, mais à voir par exemple avec anthropologie et société, car c'était le premier directeur d'anthropologie et société. Et lui a été mon directeur, mon co-directeur à ma maîtrise, a été aussi co-directeur sur mon doctorat. Et Yvan, c'était quelqu'un qui est très, très éclectique et puis très ouvert, puis très branché aussi sur beaucoup de personnes. On peut dire qu'Yvan Simonis, il faisait salon. Comme il y avait des salons littéraires et tout ça, donc fréquemment, peut-être une fois par mois, on était invité chez Yvan Simonis, et puis il y avait toujours des gens qui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'interviewer, mais en tout cas, il recevait beaucoup, beaucoup de monde de l'étranger, puis des anthropologues, et puis tout ça, donc. Il a beaucoup contribué à mes rencontres, par exemple d'une personne qui s'appelle Henri-Jacques Sticker, qui est sans doute, en fait, qui est un philosophe historien, mais qui a travaillé quand même en anthropologie, et qui, c'est Yvan qui m'a permis de le rencontrer, puis qui à l'époque travaillait sur des réflexions similaires aux miennes, sur la compréhension de l'évolution du regard sur la différence. Lui, il a écrit un livre qu'il a publié un petit peu après, qui s'appelle Histoire de l'infirmité, non, Corps infirme. Corps infirme et société ou quelque chose comme ça. Donc c'est par Yvan que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je vais le dire tout de suite là, mais c'est grâce à Yvan qui m'a poussé à écrire un premier article scientifique qui s'appelait Normalité et corps différents. Regard sur l'intégration sociale des handicapés physiques, qui est dans le volume 1 numéro 2 d'Anthropologie et Société, je pense, en 78, qui pour moi a été, je ne le savais pas au moment où je l'ai publié. D'abord, c'est un aiguillon très très important là, quand on est en train de commencer à rédiger une thèse, de devoir synthétiser sa pensée dans un article scientifique. Avoir eu l'occasion de le publier dans Anthropologie et Société, c'est encore un plus. Rien n'avait été écrit à cette époque-là. Ça a été un élément très important parce que, un petit peu plus tard, en 79, au moment où la loi dont je parlais tout à l'heure a été adoptée, puis est devenue, on est passé d'une loi sur la protection des personnes handicapées à une loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Un office des personnes handicapées a été créé, donc par cette loi. Qui s'est installé à Drummondville. Je vais faire une digression rapide, mais c'était la politique de régionalisation du gouvernement québécois. Alors il y a eu les handicapés à Drummondville, puis les pêcheries à Rimouski, puis après ils ont abandonné. Comme ça que Drummondville est devenue la capitale du handicap au Québec. Mais donc l'Office des personnes handicapées a été créé et moi j'étais, mon colloque était aussi une autre personne handicapée engagée dans le mouvement. Lui a obtenu un poste
puis ils cherchaient quelqu'un pour développer le service de recherche. Il a proposé mon nom et donc j'ai envoyé mon CV. Puis j'avais cet article-là, donc j'ai eu une entrevue, puis j'ai été embauché à l'Office des personnes handicapées, le premier professionnel, et ça a été le début de ma carrière. En fait, tout après va comment dire. Être lié finalement à cet emploi-là. Donc j'ai fait le lien Chantal Collard, Yvan Simonis, la possibilité de publier. Donc on peut, moi en tout cas, je suis un de ceux qui encourage tellement les étudiants à publier, hein, parce que c'est incroyable. Enfin, pour moi, ça a construit, ça m'a ouvert. La possibilité d'une carrière que j'aurais pas pu avoir. Enfin, j'aurais pas pu, on sait pas, là. Mais disons, c'est un des hasards dans tout le tricot de ma carrière, là, disons. Mais c'est des éléments qui sont quand même très, très importants pour comprendre la suite de tout ça. Avant d'aller plus loin, j'ai parlé donc de la naissance, de l'émergence du militantisme et du mouvement de défense de droit avec le volet du terrain. L'autre volet, quand même, pour dire dans quoi, dans quel contexte j'ai travaillé, c'est cet effort de faire une sorte d'histoire de la normalité puis des corps différents. Donc, un petit peu dans la perspective de Foucault, qui m'a beaucoup influencé, puis donc mon travail, un petit peu d'archéologie de la compréhension de la normalité, s'inspire beaucoup là, d'histoire de la folie, de surveiller, punir. Et il y a une analogie très très importante entre les travaux de Foucault du côté de la psychiatrie puis de la santé mentale avec le handicap. Donc il y a un lien direct par rapport donc à mon article Normalité et corps différents. Donc c'est ce que je fais dans cet article-là. En partant de l'Antiquité, en partant par exemple, du caractère du corps mauvais, donc comment les différences corporelles peuvent être interprétées comme des signes d'impureté, de danger. De transgression, hein, donc qui peuvent amener à éliminer certains nouveau-nés, par exemple, dans les sociétés, par le risque et puis le danger que représente la différence. Mais toujours en lien, bien entendu, avec une production de sens, avec moi, ce que je vais développer comme concept, c'est la notion de matrice normative culturelle, donc une construction de sens autour d'une différence qui devient significative dans un contexte culturel, historique donné. Alors, n'importe quelle différence en soi peut prendre du sens. Et selon les cultures et les sociétés, ça peut être très très varié. On peut penser par exemple aux jumeaux, hein, dans certaines sociétés, les jumeaux sont considérés comme dangereux et
peuvent être éliminées. Mais donc, on ne peut pas dire exactement quoi, parce que là, il faut étudier la société donnée. Mais dans chaque société, il y a des différences corporelles qui sont dangereuses, comme par exemple les albinos, par exemple, en Afrique. Il y a toute une histoire de stigmatisation et d'exclusion et tout ça. Ensuite de ça, bon, il y a plus la question de la survie. C'est que beaucoup d'enfants ayant des déficiences et des incapacités, en fait, ne survivent pas dans les sociétés traditionnelles et donc sont éliminés d'emblée. Mais de manière générale, à partir du moment où le corps différent est reconnu et qu'on lui donne un nom, donc qu'il est inclus comme étant une personne, c'est ça, partie du groupe, si elle a les possibilités de survivre, de manière générale, les corps différents sont intégrés à la collectivité et puis dans la possibilité, justement dans la mesure où ils ont une possibilité de survivre. Par contre, on pense à l'idiot du village, on pense pour beaucoup, les personnes vont être protégées, mais peuvent ne pas avoir le droit d'accéder, par exemple, au mariage ou à des statuts particuliers dans le groupe. Ça, on va retrouver ça aussi dans la tradition judéo-chrétienne aussi, donc où les personnes existent, sont reconnues, peuvent être protégées, mais n'ont pas obligatoirement l'accès à des charges ou même ne serait-ce qu'à la reproduction ou au mariage. Donc en fait, c'est un petit peu tout ce travail-là que je fais de réflexion aussi sur la norme, avec les travaux de Kant Guilhem, par exemple, par rapport à la normalité. Donc je travaille pas mal là-dessus. Puis après ça, on arrive un petit peu comme avec Foucault, où, par exemple, les personnes avec l'urbanisation, hein, donc là on a un phénomène un petit peu comme avec les cours des miracles, où la difformité, la différence fait partie là de toute la masse grouillante, un petit peu des mendiants, et même on mutile, encore ça existe encore dans certaines sociétés, ou en Inde par exemple, où on va mutiler les jeunes pour constituer des cohortes de mendiants, et puis tout ça. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup relié ça à l'urbanisation. Bon, c'est toute la notion aussi de monstruosité, de foire, de cirque. Puis là, on rejoint beaucoup l'anthropologie aussi, dans le sens où qu'est-ce qui est humain? Hein, donc, toute la question là, du siècle des Lumières, et puis tout ça, là, je veux dire, ou de la découverte des nouveaux mondes, et puis d'autres manières d'être humain, où finalement on va présenter dans des foires, dans des expositions, des corps différents, mais pas dans le sens de l'infirmité ou de la déficience, mais simplement comme étant des représentants de groupes avec une morphologie ou une couleur ou des traits particuliers où on ne sait pas trop.
ils sont à la frontière entre l'animal et l'humain. Donc, ça fait partie, ça, je pense, aussi de cette démarche-là. En fait, en tout cas, toute la question du monstre, là, ou la monstruosité, tout ça, c'est quelque chose qui doit être abordé par rapport à cette réflexion sur la normalité. Après ça, en 17-18e siècle, comme avec Foucault, une chose qu'on a de la difficulté à comprendre quand on regarde la question des personnes handicapées, c'est qu'au départ, ce n'est pas une question médicale du tout. Donc, elle est beaucoup plus reliée à la notion d'être de productivité ou de prise en charge à cause d'une présomption d'inaptitude au travail. Donc, c'est plus l'angle de la mise en ordre des paresseux par rapport aux méritants. Avec la naissance là, des hôpitaux généraux, qui au départ, comme Foucault l'explique, sont plus des lieux institutionnels qui ont une fonction de contrôle social et puis en lien avec plus la police et puis pour faire en sorte que les risques de révolte liés à l'urbanisation soient contrôlés et qu'à ce moment-là, on vient distinguer ceux qui n'ont pas d'incapacité ou qui sont pas invalides, donc qu'on doit mettre au travail, par rapport à ceux qui peuvent être pris en charge pour une diversité de raisons, que ce soit on disait pas déficience à l'époque, mais d'infirme, une infirmité, soit parce qu'ils sont fous. Soit parce qu'ils sont orphelins, soit parce que... Donc, tout un ensemble de personnes qui sont prises en charge de manière très mélangée, hein, sans qu'on les catégorise vraiment. Donc, ça, c'est la fonction de l'hôpital général. On retrouve ça aussi à Québec avec l'hôpital général. L'Hôtel Dieu, hein, avec l'Hôtel Dieu, donc qui ont une fonction de plus de charité, de prise en charge de groupes. Donc c'est la naissance de l'institutionnalisation qui est précédente au développement par la suite d'une catégorisation médicale, mais qui est tardive, qui date plus du 19e siècle. Enfin 18, non, 19e siècle. Donc, toute la catégorisation qu'on peut faire actuellement dans le champ du handicap, elle est moderne, elle est récente. Hein, et elle est liée à ce qu'on a appelé un petit peu les nosologies médicales, les classifications, puis le développement de diagnostics qui vont venir ordonner les types de corps différents. Puis là, ça va être le début justement de catégories qui nous semblent naturelles, ordinaires actuellement, par exemple, de distinguer un handicapé physique, d'intellectuel, du mental, du visuel, du sensoriel, mais qui sont des catégorisations qui sont assez récentes. C'est sûr que le volet plus physique se distingue, par exemple, des personnes sourdes ou aveugles. Ça prend son origine peut-être un petit peu plus tôt, au 18e, 19e siècle, parce que c'est des groupes qui ont été
plus prise en charge au niveau éducatif, hein, donc par la création d'institutions spécialisées pour les sourds et puis pour les personnes aveugles. Donc ça, c'est un volet qui est peut-être moins orienté par la catégorisation médicale, mais plus par une prise en charge institutionnelle, éducative. Mais pour tout le reste, là, c'est plus une catégorisation tardive là, de mise en ordre, là, mais à ce moment-là, avec le développement du regard médical et tout ça. Donc, puis ça, cet élément-là, je vais pas plus loin que ça au niveau de ma maîtrise en tant que telle, mais c'est le fil qui va m'amener plus à mon doctorat, où je vais plus réfléchir à la notion de classification. Donc, je parlais tout à l'heure de nosologie médicale. En fait, tout le développement des connaissances scientifiques est relié, par exemple, à l'émergence des classifications comme les classifications de l'inné, du végétal ou du minéral. En fait, ces éléments-là. Donc, on retrouve un mouvement classificatoire de définition des catégories médicales qui est à la base là, de la manière de comprendre là, les divers types de pathologies, mais jusqu'au handicap. Et puis c'est dans ce mouvement-là, donc, de conceptualisation, que je vais arriver à une réflexion beaucoup plus précise, là, qui va m'amener à réfléchir, à conceptualiser le phénomène du handicap dans son développement, mais je vais l'expliquer.